Maintenant, la puissance du Saint-Esprit. Mais il y a un autre type de foi qui parle aux montagnes et qui dit, montagne, déplace-toi. Et cette montagne de ta vie va partir. Il y a une foi qui nous fait savoir que le Dieu Tout-Puissant peut tout faire. Il y a un autre type de foi qui ne croit pas en Dieu, mais qui croit au pasteur, qui croit au représentant humain de Dieu. Il y a une foi qui vient à Dieu directement. Je suis sauvé, je suis sanctifié, je suis rempli du Saint-Esprit et je t'appartiens. Et je sais que le Seigneur, l'Éternel est mon berger. Pour cela, je ne manquerai de rien. Ce type de foi qui n'attend pas un pasteur avant de croire, avant de recevoir le miracle de Dieu dans sa vie. La foi qui sait que Dieu est puissant. Les promesses sont à moi. La puissance de Dieu est à moi. Et la percée est à moi. Ça, c'est le type de foi que Dieu veut que tu aies. La foi en Christ. La foi en Dieu. Croyez en Dieu et croyez en moi. Pas seulement en Pierre, pas en Pierre, pas en Paul. Votre foi n'est pas basée sur un homme. Votre foi est en Dieu, le Tout-Puissant. Et lorsque cette foi opère dans votre vie, aucune tempête, aucune maladie, aucune montagne, aucun Satan, aucune puissance maléfique ne pourra demeurer dans votre vie au nom de Jésus. Alors, dans le verset 25, il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Dans ta vie, dis-moi à qui ils obéissent. Ils commandent même au vent et à l'eau. Et à qui ils obéissent? L'accomplissement dans ta vie aujourd'hui. Nous parlons donc du message intitulé « Vaincre les tempêtes de la vie à travers Christ ». Vaincre les tempêtes de ta vie. Est-ce que toute tempête de ta vie peut être ôtée aujourd'hui? Est-ce que toute montagne de ta vie peut être balayée de ta vie aujourd'hui? Vaincre les tempêtes de la vie à travers Christ. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, la tempête calmée par sa puissance. Calmée. Calme. Silence. Ensuite, et ça a été fait. Deuxième point, l'arrêt de la tempête. Ça peut être une mer orageuse. Ça peut être un ennemi orageux. Ça peut être une situation orageuse. Ça peut être une personnalité orageuse. Ça peut être une confédération orageuse contre ta vie, contre ton progrès. Peu importe qui ils sont, quel que soit le nombre, l'arrêt de la tempête pour son peuple. Toutes les choses orageuses de ta vie sont arrêtées aujourd'hui. Toutes les personnalités orageuses de ta vie, orageuses, tempestueuses, et ils viennent ouvrir la porte avec fracas et ils te regardent pour dire, tu n'as pas peur de nous? Est-ce que tu n'as pas peur de moi? Tous ces gens, personnalités orageuses, tempestueuses, sont arrêtés de ta vie ce soir. Afin que par la grâce de Dieu, comme ces personnes orageuses, ces personnalités, principautés, puissances orageuses, veulent se saisir de ta vie et dominer ta vie,
tu resteras là-bas et tu n'auras pas peur. Je n'aurai pas peur. Je ne craindrai pas, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Et tu dresses une table devant moi, en face de mes ennemis. Comme la tempête vient, tu oins d'huile ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui. J'ai dit oui. J'ai dit oui. Je regarde en arrière. Il n'y a rien là-bas. Je regarde de l'autre côté. Je ne vois rien. Je vois la bonté et la miséricorde m'accompagneront. Pendant combien de temps? Tous les jours de ta vie. L'arrêt de la tempête. Et il le fera ce soir. Troisième point, la guérison des malades comme notre privilège. Voyons le premier point. La tempête calmée par sa puissance. Il y a trois éléments à considérer premièrement. Premièrement, le cri fervent qui a calmé leur tempête. Deuxièmement, son commandement final qui triomphe des tempêtes. Et troisièmement, sa fidèle compagnie qui calme toute tempête. Premier élément, le cri fervent qui a calmé leur tempête. En Psaume 107, lisons à partir de verset 25. Psaume 107, 25. Il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Verset 26. Il montait vers les cieux. Il descendait dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Verset 27. Saisi de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Verset 28. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ils n'ont pas crié à David, mais ils crièrent à l'Éternel. Ils n'ont pas crié vers Moïse, ils crièrent à l'Éternel. Ils n'ont pas crié à un roi humain, ils crièrent à l'Éternel. Dans leur détresse, et il les délivra de leur angoisse. Dans le verset 29, il arrêta la tempête. Il fit quoi, dites-moi? Il arrêta la tempête. Il arrêta ma tempête. Ramena le calme. Je suis Dieu et je ne change pas. Alors, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a fait avant, il est toujours capable de le faire aujourd'hui. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Est-ce que tu es là? Aujourd'hui, ça va t'arriver. Et les ondes, les vagues vont se calmer. Verset 30. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Tu y arriveras. Ils étaient sauvés, il les conduisit. Ils se sont appuyés sur lui, il les conduisit. Son peuple sauvé, il est. Son peuple particulier, il est son peuple juste et saint. Il les conduisit au port désiré. Verset 31, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Il le fera dans ta vie. Deuxième élément maintenant, le commandement final qui triomphe des tempêtes, qui triomphe de nos tempêtes. En Marc chapitre
4, verset 37. Marc 4, 37. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait, verset 38. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait. Attendez, pourquoi Christ va-t-il dormir à un moment pareil? Il avait dit, passons à l'autre bord. Dites-moi, passons où? À l'autre bord. Final. Maintenant, puisqu'il a dit, il est la parole personnifiée. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu. Il avait déjà déclaré la parole. Il a parlé et ça a été fait sur la base de la parole qu'il a déclarée. Il n'avait pas besoin de se soucier. Il savait que cette parole allait vaincre toute tempête. La parole dans ta vie. La parole dans ton cœur. La parole dans ta bouche va vaincre toute tempête. La parole a été déclarée. Et pour cela, il savait que lui, par sa parole, a le dernier mot. La parole de Dieu aura le dernier mot dans ta vie. Amen. Ainsi donc, vous pouvez dormir. La tempête parle un autre langage. Et ce langage est faible. Les tempêtes, les vagues parlent un autre langage. La plus grande voix, la voix la plus élevée, la voix la plus puissante avait dit, passons à l'autre bord. Maintenant, nous pouvons dormir. Est-ce que tu es là? Rien ne pourra empêcher ton sommeil. Ils le réveillèrent et lui dit, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Il regardait la mauvaise chose. Il ne regardait pas la parole, mais il considérait la tempête. Et il criait, maître, nous périssons. Où est la parole? La parole seule va détruire toute œuvre du diable de ta vie au nom de Jésus. Quand la parole est présente dans ton cœur, Dieu lui-même est présent. Donnez-moi un bon amen. Rappelez-vous l'histoire de Dagon. La plus grande puissance, la plus forte puissance de ces gens à Écran, les incroyants, les païens. Ils ont pris l'arche de l'alliance. Élie n'était pas là. Ophni n'était pas là. Phiné n'était pas là. Le sacrificateur n'était pas là. Le sauveur sacrificateur n'était pas là-bas. Ils ont pris l'arche de l'alliance et l'ont placée là-bas, dans le couvent, dans le temple d'Agon. Quand ils se sont réveillés le matin, la présence de l'arche de l'alliance avait fait tomber, cogner leur Agon. La présence de la parole et la présence de Dieu, toi, va faire détruire tous les Dagon. Ils pensaient que c'était une erreur. Ils ont encore redressé l'idole. Quand ils sont revenus encore le lendemain, la tête d'Agon était coupée. Les mains de leur idole étaient coupées. Il restait seulement un tronc vilain. Alors personne encore n'est encore rentré dans le temple d'Agon. La présence de Christ en toi. Voici, je suis avec vous. Jusqu'à la fin du monde, cette présence de Dieu en toi va faire tomber, va détruire, va démolir
toute puissance de Dagon dans ta vie. C'est ce en quoi nous croyons. C'est ce que la parole dit. Il dit, ma présence ira avec vous. Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin de nous soucier, de regarder la tempête, regarder ce danger, regarder ce bruit, regarder cette difficulté. Tu es victorieux au nom de Jésus. Verset 39. On dit, s'étant réveillé, c'est qui ça? Le roi de gloire, le Seigneur de gloire, celui qui est puissant, fort dans le combat, je suis là. Et toi, Satan, tu envoies une tempête, il se réveilla, il va se réveiller pour toi. Menaça le vent, dit à la mer. Il est le créateur de l'océan et des cieux. Et il parle. Il est le créateur de tout ce qui est dans l'univers. C'est lui qui parle maintenant. Et il dit à la mer, silence, tais-toi. Le prince de paix a parlé dans ta vie. Le prince de paix a parlé dans ta famille. Et lorsque le prince de paix se lève et il dit, silence, tais-toi. Il y aura un calme. Peu importe ce qui boue dans ton cerveau, tout ce qui boue dans ta pensée, tout ce qui boue dans ta famille, quand le prince de paix se lèvera et dira, silence, tais-toi, Dieu merci, aujourd'hui c'est ton jour. Et le vent cessa, et il eut un grand calme. Verset 40, puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Vous êtes sauvés, pourquoi vous avez si peur? Vous avez la plénitude de Christ avec vous, pourquoi avez-vous si peur? Vous êtes sanctifiés, vous avez reçu la nature divine de Christ, pourquoi avez-vous ainsi peur? Vous avez la puissance du Saint-Esprit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Vous avez écouté ma parole maintenant. Quand j'ai dit, passons à l'autre bord. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils avaient la foi pour le salut. Ils avaient la foi pour la sanctification. Ils avaient la foi pour aller au ciel. Comment se fait-il que vous n'avez pas la foi sur la tempête? Ta foi va augmenter. Verset 41. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci ?» C'est le Fils de l'homme qui est devenu un être humain ici pour que nous soyons amenés à son niveau. Quel est donc celui-ci ? Il est un homme céleste. C'est un homme saint. C'est l'homme qui est descendu du ciel. Et il est venu avec toute la puissance du ciel avec lui. Et c'est ton sauveur. Et c'est ton guérisseur. Et c'est ton libérateur. Et c'est celui qui est avec toi. Il est plus grand que Lucifer. Il est plus grand que le diable. Il est plus grand que l'ancien serpent. Et dans ta vie, tu verras toujours la manifestation de sa puissance au nom de Jésus. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Est-ce qu'il y a une eau qui essaie d'entrer dans ta barque? Christ va commander et l'eau et le vent et les vagues vont obéir au Seigneur dans ta vie. Dans ma vie, la victoire sera permanente. Psaume 33, verset 10, le second, car il dit et la chose arrive. Il dit et la chose arrive. Tout ce que tu entends, j'ai lu dans sa parole, il parle. Et ce sera fait dans ta vie. Il ordonne et elle existe. Troisième élément maintenant, sa fidèle compagnie
qui calme toute tempête. Qui calme toute tempête. Comme il est entré dans la barque, les tempêtes sont cessées. Je n'ai pas entendu ton amen. Il est dans ma vie. J'ai dit, il est dans ma vie. Les tempêtes sont terminées. Il a dit qu'il t'amènera au ciel. Les tempêtes sont terminées. Il a dit, je ne vais jamais t'abandonner. Je ne vais jamais t'abandonner. Les tempêtes sont terminées. Il a dit, je suis avec toi. Toutes tes larmes sont effacées. Voyons ceci. Ésaïe chapitre 41. Lisons pas du verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Ne crains rien. Pourquoi? Parce que le Créateur des cieux et de la terre, celui qui règne depuis le trône du ciel, il dit, ne crains rien. Pourquoi est-ce que je ne dois pas avoir peur, Dieu? Parce que je suis avec toi. Celui qui est plus grand que Satan, celui qui est plus grand que les tempêtes, plus grand que les mauvais esprits, plus grand que les maladies, celui qui est plus grand que toutes les puissances dans le monde, il dit, je suis avec toi. Et la conséquence est, ne crains rien. Ne prenez même pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je te fortifie. Si tu regardes dans la direction de Dieu et dis, je suis là, le Créateur des cieux et de la terre et le Maître de la mer et de l'océan, et il dit, je serai avec toi. Pourquoi alors auras-tu peur? Il dit, je te fortifie. Peu importe ce qui vient sur ton chemin, il va te fortifier. Et peu importe la situation auquel tu peux être confronté, comme tu retournes à la maison, tu chantes déjà. Tu te réjouis déjà. Parce que celui qui donne toujours la victoire, il va avec toi et il dit, je te fortifie, je viens à ton secours. Pourquoi alors vas-tu avoir peur? Il n'y a pas de finances, il n'y a pas à manger, il n'y a pas d'aide, il n'y a rien sur lequel je compte. Celui qui a nourri les enfants d'Israël pendant ces 40 ans, chaque jour, par la manne, il dit, je suis toujours là. Je viens à ton secours. Celui qui a en fait sortir l'eau du rocher, il dit, je vais pourvoir tes besoins. Ne t'en fais pas pour ça. Je viens à ton secours. À l'examen, il sera là avec toi. Dans les épreuves de la vie, il va t'aider. Tu n'as pas besoin de faire ce que les gens du monde font. Ils n'ont pas de secours. Ils n'ont aucune force. Ils n'ont pas de soutien. Ils n'ont pas de pourvoyeur. Toi, tu as ce qu'ils n'ont pas. Et il dit, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite. Oh, voyez tout ça. Premièrement, je suis avec toi. Deuxièmement, je suis ton Dieu. Troisièmement, je te fortifie. Quatrième, je viens à ton secours. Et dit maintenant, je te soutiens de ma droite triomphante. C'est fait. Je dis, c'est fait. Jérémie, chapitre 15, verset 20. Je te rendrai, c'est peut-être que, c'est pas que si je suis de bonne humeur, il est toujours de bonne humeur, il est toujours de bonne humeur, il est toujours dans une atmosphère de contrôle, il ne change pas, et rien ne l'ébranle, et il dit, je te rendrai pour ce peuple,
comme une forte muraille d'airain. Vous voyez, tous ceux-là qui fabriquent des clôtures au cours de leur maison, ils ne veulent pas des invités non désirés dans leur maison quand ils dorment. Quand ils dorment, aucun invité non désiré ne viendra chez toi parce qu'il fera de toi une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre. Dieu, je ne veux pas que quelqu'un me fasse la guerre. Alors tu ne veux pas voir le miracle de délivrance. Ils te feront la guerre. Regardez-les. Ah, les Égyptiens, ils viennent. Et nous venons à peine de quitter l'Égypte. Regardez la mer rouge devant nous. Regardez les montagnes qui nous environnent. Oh Dieu, je regarde les Égyptiens, l'armée, même Pharaon lui-même. C'est lui qui mène même le peloton. Il dit, je vais les renvoyer, ne t'en fais pas. Personne ne peut te faire marche arrière. Et comme ils ont eu peur et ils crièrent. C'est comme ça, les chrétiens bébés pleurent toujours. Ils peuvent être des chrétiens depuis 30 ans. Les chrétiens bébés, ce n'est pas l'âge chronologique. C'est leur croissance dans le Seigneur. C'est leur croissance dans la parole. Les bébés chrétiens pleurent toujours. Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? En ce lieu. Moïse aussi, parce qu'il pleurait, il criait. Lui aussi, il a commencé à crier. Parfois, les cris, les pleurs des membres, si les leaders ne font pas attention, ils vont crier, pleurer comme eux. La Bible dit, tel père, tel fils. Mais les gens font le contraire, tel enfant, tel père. Alors, comme les enfants pleuraient, leur père aussi a commencé à crier. L'ancienne alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance. Les pères ne vont pas crier. Les mères ne vont pas crier. Et Dieu dit, Moïse, pourquoi cries-tu? Qu'est-ce que tu as dans la main? La réponse est dans ta main. J'ai dit, la réponse est dans ta main. Et il leur dit, étends la verge. Et le miracle qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire se produira. Le Seigneur a permis à Pharaon, au char de suivre, afin qu'un nouveau miracle, un miracle spectaculaire, un grand miracle, quelque chose que vous n'avez jamais lu dans l'histoire, pour que cela s'accomplisse, Moïse a étendu la verge. La mer se divisa en deux. Et les enfants d'Israël, toute peur était partie maintenant. Et ils ont continué. Pharaon et ses chars. On peut aussi le faire. Qu'est-ce qu'un Israël peut faire? Un païen peut le faire. Non! Ce que Moïse peut faire, Pharaon peut le faire, ça ne se passe pas comme ça. Si c'est pour eux, c'est aussi pour nous. Ça ne se passe pas comme ça. Mais les chars de l'Égypte ont suivi. Et Dieu les a laissés devenir au milieu de la mer. Ensuite, Dieu a dit à Moïse, utilise la verge encore, étends-la. Et les eaux se sont fermées sur eux. Ils ont fait la guerre, mais ne vaincront pas. Toi, tu seras vainqueur. Voyons cela, verset 20. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi. Ça, c'est le secret. Car je serai avec toi. Pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Verset 21 dit, je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents.
Amen. Dans ta vie, amen. Dans ta famille, amen. Deuxième point, l'arrêt de la tempête pour son peuple. Voyons Psaume 107, verset 29. Verset 29 de Psaume 107. Il arrêta la tempête aujourd'hui, ramena le calme et les ondes se turent. La paix, que la paix soit. Ce mariage en furie, que la paix revienne. Cette communauté en fureur, que la paix revienne. Trois éléments à voir. Premièrement, la disposition imprudente de se livrer à la tempête ou aux tempêtes. Deuxième élément, le retard inutile de la solution à nos tempêtes. Troisième élément, la délivrance indéniable des saints des tempêtes. Premier élément, la disposition imprudente de se livrer aux tempêtes. Voyons Jonas chapitre 1, verset 3. Jonas se leva et s'enfuit à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Et descendit à Joppa et trouva un navire et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Maintenant, Jonas a causé la tempête sur lui-même. Dieu a dit, va ici. Il est allé dans la direction opposée. Sa volonté s'opposait à la volonté de Dieu. Sa marche était contraire à la voie de Dieu. Sa disposition était différente des exigences de Dieu. Et pour cela donc, il s'est attiré la tempête sur lui-même. Vous savez, c'est ce que les gens font. Ils ont des dispositions imprudentes. Dieu dit, va dans telle direction. Ils font marche, demi-tour et vont ailleurs. Dieu dit, la voie des transgresseurs est dure. Tout de même, et ils suivent la voie des transgresseurs. Et pour cela, les tempêtes viennent. Non seulement cela, ceux qui admettent Jonas dans leur navire. Voici un fuyard, Jonas le fuyard, le Jonas prodigue. Voici le Jonas rétrograde. Quelqu'un qui est contraire à la volonté, à la parole et à la voix de Dieu. Et il vient dans leur vie. Le rétrograde fuyard. Il veut te marier. Et toi, tu es toujours un croyant debout ferme. Et Dieu parle contre ça. Dieu en colère contre les méchants. Il vient dans ta vie parce qu'il a de l'argent, parce qu'il a des connexions, parce qu'il a la popularité et tu l'acceptes dans ta vie. La fille d'un pasteur qui a abandonné la voie dans laquelle elle a été éduquée. Elle est maintenant dans le monde. Elle peut ne pas utiliser les bijoux. Elle peut ne pas avoir
percer les oreilles, mais elle parle comme le monde, elle fait les choses comme le monde, elle boit comme le monde, elle fait tout comme le monde, elle est dans le monde. Elle a abandonné l'enseignement, la vérité que son père et sa mère l'ont enseigné. Maintenant, toi tu es toujours un croyant debout, elle vient, elle balance ceci et cela, et toi tu permets au Jonas rétrograde, Joséphine rétrograde de venir dans ta vie. Certaines personnes ont des tempêtes pour cela. Ils disent, ah, je ne peux pas comprendre, je suis sauvé, je suis ceci, je suis cela. Mais le Seigneur a envoyé une grande tempête. Il se leva sur la mer, une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. On nous dit, dans le verset 11, ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Jonas n'était pas prêt à se repentir parce qu'il combattait contre le Dieu Tout-Puissant. Il combattait contre Dieu. Il combattait son Créateur. Et ils ont dit, nous savons maintenant, c'est ta présence dans notre navire qui a causé ceci, la tempête. C'est ta désobéissance et ton mépris pour le Dieu Tout-Puissant qui ont causé cela. Verset 12, il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Mais Jonas, pourquoi est-ce que tu ne t'es pas repenti en ce moment? Si je me repens, je dois alors faire ce que Dieu m'a dit d'aller faire. Mais je ne suis pas prêt. Est-ce que tu es prêt à souffrir? Il dit, quand je vais rentrer dans la mer, tout sera terminé. Et Dieu a mille et une voix pour combattre, si Jonas voulait continuer son combat. Dieu a préparé une grande baleine, un grand poisson, qu'il l'a avalé. Il est allé au fond de la mer. Alors il a décidé que ce n'est vraiment pas payant de combattre Dieu. Et dans cette baleine, il s'est repenti. Il dit, je ferai les vœux que j'ai faits à l'Éternel. Et Dieu maintenant a commandé au poisson. Il commande le vent. Il commande la baleine. Il commande les eaux. Il commande la baleine. Il commande toutes choses sur la face de la terre. Et comme il les commande, ils vont travailler pour toi. Et la baleine déposa Jonas pas dans sa ville, pas à Tarsis. Alla déposer Jonas au bord de Ninive. Ce que Dieu dit de faire. Pourquoi ne pas le faire immédiatement? Pourquoi combattre, perdre du temps? Pourquoi est-ce que tu vas ici, tu vas là-bas? Pourquoi est-ce que tu te plains? Par rapport à ce que Dieu a dit de faire, il y aura le calme dans ta vie. Il y aura le calme dans ma vie. Confirmé au nom de Jésus. Deuxième élément, le retard inutile de la solution aux tempêtes, à nos tempêtes. Les retards inutiles en 2 Chroniques 33, 9. Mais Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus
plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Verset 10. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Ils ont retardé la tempête, la souffrance dans leur vie. Dieu voulait qu'ils sortent de cette désobéissance, qu'ils sortent de cette défiance. Ils ont dit non, qu'ils ne veulent pas obéir. Et pour cela, les problèmes ont commencé, les problèmes ont augmenté dans leur vie. Verset 11. Verset 11. Alors, l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Verset 12. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément. Manassé, pourquoi as-tu attendu? Quand Dieu a envoyé son messager et son prophète vers toi, maintenant que tu es lié dans les chaînes, il s'humilia profondément. Mais Manassé, tu aurais pu faire ça hier, non? Il pourrait le faire le mois passé. Tu aurais pu faire ça l'année passée. Pourquoi tu as retardé la solution à ton problème? On nous dit, il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Verset 13. Il lui adressa ses prières. Et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Notre Dieu est un Dieu aimable. Même s'il a tardé, il a souffert pour son retard. Mais finalement, il s'est humilié. Il a prié l'Éternel et l'Éternel l'exauça. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Tu sauras que Dieu est Dieu. Mais toi, tu ne vas pas retarder. Je ne vais plus retarder. Frères et sœurs, puisque nous voulons le faire, pourquoi ne pas le faire maintenant? Puisque nous savons que sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur, pourquoi est-ce que nous tardons? Pourquoi est-ce que nous tardons? En doutant, en traînant les pas, en faufilant. Pourquoi ne pas le faire maintenant? Puisque nous savons que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, pourquoi est-ce que ne pas naître de nouveau maintenant? Et puisque nous savons que si Dieu doit ouvrir les portes du ciel pour qui que ce soit, cette dépravation doit partir. Cette désobéissance délibérée doit partir. Si nous savons que sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur, pourquoi alors tardons-nous? Pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? Et le Seigneur va exaucer tes prières. Troisième élément, la délivrance indéniable des saints des tempêtes. Lorsque nous devenons les saints de Dieu, il va nous délivrer. Il va te délivrer. En 2 Corinthiens chapitre 1, verset 9. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 9. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Verset 10, c'est lui qui nous a délivrés. Amen. Est-ce que tu peux boiter la délivrance de Dieu dans ta vie par le passé? Ce qu'il a fait par le passé, il le fera aujourd'hui. Qui nous a délivrés d'une telle mort? Lui de qui nous espérons
qui nous délivre. Et ce moment heureux de ta vie aujourd'hui, il nous délivre. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous voyez, délivrance de trois niveaux. Il a délivré par le passé, amen. Il délivre aujourd'hui, amen. Et quel que soit ce qui se tient sur ton chemin, il te délivrera encore. Il va me délivrer. Ce que tu dis à l'église, dis-le au dehors là-bas. Ce que tu dis à l'église, répète-le quand la tempête se lèvera. Ce que tu dis à l'église, dis-le dans ta communauté, partout où tu seras. La parole est puissante ici dans l'église. La parole sera puissante dans ta communauté. Qu'est-ce qui nous arrive? C'est que nous disons autre chose de différent à la maison de ce que nous disons à l'église. Nous disons autre chose de différent au marché que ce que nous avons dit à l'église. Nous disons autre chose de différent durant la période de maladie, de tempête, que ce que nous avons dit à l'église au culte. Mais si nous disons la même chose, la même parole, il m'a délivré, répète-le. Il me délivre maintenant. Il va encore me délivrer. Que la parole de délivrance soit permanente dans ta bouche. Rien ne pourra te faire tomber au nom de Jésus. Je viens maintenant au troisième point. Troisième point, la guérison des malades comme notre privilège. La guérison des malades comme notre privilège. En Matthieu chapitre 14, lisons le verset 14. Matthieu 14, 14, la Bible nous dit: quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Il guérit les malades. Quelqu'un, amen. Verset 34. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Verset 35. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Et on lui amena tous les malades. On lui amena tous, dites-moi, tous les malades. Malade. Aisance, c'est quand il y a le calme, le repos, la joie, le bonheur, le calme, pas de problème dans le corps. À aisance, malade, mal à l'aise, c'est tout ce qui contredit l'aisance dans le ventre, dans le cerveau, dans la main, au pied, dans ta hanche, dans tes jointures. Tout ce qui contredit l'aisance est appelé malaise, maladie. Dans ta vie, s'il y a un malaise, une maladie, tu sens la chaleur par ici, tu sens la confusion par ici, tu sens le malaise par là, tu sens l'infimité par là, il va t'affranchir. Et il doit donc donner la guérison. Il est le prince de paix. Voilà pourquoi chaque fois et à tout moment qu'il y a la maladie, il voit tout ce qui contredit l'aisance dans ta vie. Il doit apporter la guérison. Il doit apporter le calme. Il doit apporter une solution. La guérison des malades comme notre privilège. Voyez ce verset 36,
verset 36, ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Il va te toucher. Il va te guérir totalement. Trois éléments. Premièrement, la touche de guérison en sa présence. Deuxième élément, la profondeur de sa guérison sans prix. Et troisièmement, le transfert de sa guérison avec la puissance triomphante. Premier élément, la touche de guérison en sa présence. La touche de guérison en sa présence. Marc 5, 25. Marc 5, 25. Oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Et toucha son vêtement. Voyez cela, la femme. Elle n'avait même pas de chance de serrer la main à Christ. La femme n'avait même pas la chance de se prosterner avec larmes pour toucher les pieds de Christ. La femme n'avait même pas la chance d'être ointe d'huile. La femme n'avait même pas de chance pour que Christ étende sa main pour la toucher. Mais elle a dit, je n'ai pas besoin de toucher sa personne, la puissance rayonne autour de lui. C'est comme les vagues magnétiques. Alors, je sais que l'onction n'est pas seulement dans sa main, ce n'est pas seulement dans son corps, même ses vêtements, l'onction est là. Ainsi donc, elle toucha son vêtement. Tu vas le toucher. Verset 28. Car elle disait, ce que tu te dis dans ton cœur, ce que tu dis en toi-même, ce que tu te dis va déterminer si tu vas rester victime ou tu deviendras un vainqueur. Tu seras un vainqueur. Mais elle disait, si je puis seulement toucher, ses vêtements, je serai guéri. Verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Guérie de son mal. Tu es guéri au nom de Jésus. Verset 34 dit, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Pas seulement la touche et la foi, la prière et la foi. Croire au Seigneur, c'est cette foi, ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guéri de ton mal. Deuxièmement, la profondeur de sa guérison sans prix. Matthieu 14, 36. Matthieu 14, 36.
ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris, dites-moi, furent guéris parfaitement, profondément guéris. La guérison était totale, parfaite. Ta guérison sera parfaite. Actes chapitre 3. Lisons à partir du verset 16. Actes des Apôtres chapitre 3 verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Où est l'homme qui a guéri cet homme? Où est la femme? Il te rendra forte. Je ne vois pas ta main. Femme de foi, amen. Et il dit, c'est la foi en son nom que son nom a raffermi cet homme, cette femme, cette personne que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Ta guérison sera entière, parfaite au nom de Jésus. Troisième élément maintenant, troisième élément, le transfert de sa guérison avec la puissance triomphante. Le transfert de cette guérison à son peuple qui lui fait confiance. En Marc chapitre 16, 15. En Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je ne serai pas un incroyant. Je ne serai pas un incroyant. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le salut pour toi au nom de Jésus. Verset 17. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand tu as chargé ta batterie, et ta batterie est chargée, et tu observes la batterie, la montre connectée à la batterie continue à travailler. Et chaque fois que tu peux sortir, c'est toujours là. Parce que la batterie est pleinement chargé. Et comme tu observes, et la batterie diminue, et tu branches ça encore, et tu charges, et tu vois que ta montre continue à bouger. Alors, comme tu charges ton cœur, la batterie de ton cœur, et la foi, elle l'a en tout temps, tu n'attends pas que ta batterie de foi se décharge complètement. Alors tu essaies d'appeler et de connecter le ciel. Et ça ne marche pas. Tu dis, ah pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi. Et tu te plains. Les plaintes ne vont pas charger la batterie. Et tu te demandes, se poser des questions ne charge pas la batterie. Et tu te poses des questions. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'on prie toujours? Ça ne va pas charger la batterie. Branche ça dans la puissance. Va entrer dans ta batterie. Et tu observes 5%, 10%. N'enlève pas ça, ne débranche pas. 20%, ne débranche pas encore. 15, 50, laisse ça. N'appelle pas, ne fais rien. 100%. Alors, tu prends le téléphone, pam, 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 pam,
Allô? Ciel, le ciel va te répondre. Parce que tu appelles et ta batterie, la batterie de ta foi est chargée. Ma batterie est chargée. J'ai dit ma batterie est chargée. Et je mets la parole, je mets la confiance, je mets la confiance. Alors, j'envoie un SOS au ciel immédiatement. Il écoute mon appel de l'autre côté. Et il me répond de l'autre côté. Où est là-bas? C'est moi. Et le ciel dira, dis-moi ce que tu veux. Même si c'est la moitié du royaume, je te le donnerai. Parce que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils chasseront les démons. Verset 18, la dernière partie du verset 18. Rien ne pourra les nuire. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. La batterie de la foi est pleinement chargée. Verset 20. Verset 20, on nous dit, et ils s'en allaient prêcher partout. Tu t'en allas. Tu t'en iras avec puissance. Tu t'en iras avec autorité. Tu t'en iras avec assurance. Tu t'en iras avec onction. Tu t'en iras avec onction. Que toutes les principautés, les puissances quittent le chemin. Les champions de la foi viennent. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. La parole de ta bouche sera confirmée. Le décret de ta bouche sera confirmé. Comme tu t'en vas, que la foi augmente, que la crainte soit ensevelie, que ta batterie de foi soit pleinement chargée. Rien ne pourra te nuire et rien ne pourra tenir devant toi au nom de Jésus. Qui est là-bas? Ta batterie est chargée? La parole de Dieu est dans ton cœur. La foi et la confiance sont dedans. C'est bon, ma soeur. C'est bon, mon frère. Ah, lève-toi, frère, là-bas. Ton heure a sonné. Il est temps. Il est temps de recevoir ton désir, d'envoyer ta demande au ciel. Et le ciel va t'écouter. Ouvre la bouche et parle au Seigneur dans la prière. Et dis, Seigneur, me voici. Où est la tempête? Qui pourra tenir devant l'enfant de Dieu qui a la foi en Dieu? Où est la maladie? Où est donc le mauvais esprit ou la puissance maléfique qui veut tenir devant l'enfant de Dieu qui a la batterie de foi chargée et qui peut maintenant appeler le ciel? Ouvre la bouche et parle au Seigneur. Qu'il te rende fort. Et le salut là-bas. Tu as la sanctification là-bas. Tu as la puissance du Saint-Esprit sur ta vie là-bas. Pourquoi ne pas parler au Seigneur? Seigneur, me voici, me voici, me voici. Pour ne plus pleurer, pour ne plus me plaindre, pour ne plus être si triste pour toi-même. Mais sachant, Dieu a promis qu'il ne va pas m'abandonner. Je ne vais jamais te délaisser. Je serai avec toi partout où tu iras. Sa présence seule va détruire toutes les puissances de Dagon, de dragon dans ta vie. Parle au Seigneur. Il va subjuguer cet esprit, il va guérir cette maladie. Il va détruire toutes les œuvres du diable. Il le fera. Prie.
avec foi, invoque avec un téléphone pleinement chargé. La ligne est claire. Pas de blocage. Pas d'échec du système. Il va exaucer ta prière. S'il y a une tempête, que tu t'es attiré toi-même, comme Jonas, abandonne-toi au Seigneur. Donne-toi totalement au Seigneur. Et dis, Seigneur, dans ma folie, je m'étais égaré loin de toi. Mais dans l'humilité, je reviens. Ceux qui observent de vaines pensées, ce sont ceux-là qui s'attirent la destruction sur eux-mêmes. Les péchés secrets, les péchés subtils, vont attirer la tempête, la souffrance, le péché délibéré va attirer la tempête, la défiance, la désobéissance attire la tempête. Mais lorsque tu reviens, lorsque tu te repens, c'est une situation que tu as et dois faire ta restitution. Lorsque tu fais cette restitution et tu cesses de continuer sur la voie des transgresseurs et tu invoques le Seigneur, alors le Seigneur exaucera. Parle au Seigneur. Ne tarde pas. Ne tarde pas. Ne retarde pas ta solution. Ne retarde pas ta guérison, ta délivrance, ta victoire. Invoque le Seigneur. Pourquoi veux-tu tarder? Si tu n'es pas sauvé, le salut est disponible ici, aujourd'hui. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu n'es pas sanctifié, pourquoi tardes-tu? Quand tu sais que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, pourquoi veux-tu tarder? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pourquoi vas-tu tarder? Afin de nous délivrer de la main de nos ennemis et nous permettre de le servir dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Puisque tu connais les promesses qui sont là dans l'Alliance, pourquoi tardes-tu? Pourquoi ne pas invoquer le Seigneur maintenant? Pour qu'il te donne une sanctification parfaite, une restauration totale, une transformation totale. Une guérison totale, une délivrance parfaite, parfaite. Qu'on ne peut pas douter, une solution
indiscutable au problème que tu as? Pourquoi ne pas invoquer le Seigneur? Pourquoi vas-tu permettre à ce jour de passer encore pour que le problème et les défis continuent encore? Tu sais que Dieu est là et rien ne lui résiste. Ils me chercheront et me trouveront s'ils me cherchent de tout leur cœur, de tout ton cœur, de tout ton cœur, de tout ton cœur, qui te purifie. Cherche-le de ton cœur, abandonne tout sur l'autel, consacre-toi ta vie pleinement, sans réserve, au Seigneur. Il te donnera donc une restauration complète. Une justice totale. Une guérison totale, une délivrance totale. Totale. Complète. Une guérison parfaite. Pour l'esprit, l'âme et le corps. Ne laisse aucune pierre non retournée. Suis le Seigneur. Ne suis pas Dieu à cœur partagé. Ne fais pas une prière coussi-coussa. Ne consacre pas les débris et que le vrai trésor soit retenu. Promets servir le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, avec la totalité de ta connaissance, de ton habileté, de ton engagement. Quand tu suis le Seigneur, tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu ne réserves rien d'autre, et tu l'adores, sans rival. Il n'y a pas de rival dans ta vie qui compétit avec le Dieu Tout-Puissant. Lorsque tout ton cœur, toute ta vie est donnée au Seigneur, alors il le fera, il dira ce qu'il a, il fera ce qu'il a promis. Crois. Aie foi en Dieu. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu digne de confiance. On peut lui faire confiance. Il ne peut faillir. Crois en lui. Ne regarde dans aucune autre direction. Simplement dans la direction de Dieu. Et il fera ce qu'il a promis. Celui qui vous a appelé fidèle. Et c'est lui qui le fera. Celui qui vous a appelé, celui qui a promis est fidèle, et c'est lui qui le fera. Attache-toi à cette promesse. Cette promesse
ne faillira pas. Elle ne peut faillir. Au nom de Jésus, nous prions. Il y a un calme dans mon âme. Il y a la guérison dans mon corps. Il y a l'assurance dans mon cœur. Dieu a exaucé ma prière. Je ne pleurerai plus. Je ne souffrirai plus. La joie du ciel sera ma force. Où es-tu là-bas? La solution, la délivrance, la puissance, la pureté, la joie. Le bonheur. Tu iras à la maison avec l'exaucement à tes prières. Lève cette main, Père, au nom de Jésus. Je prie que dans chaque cœur, dans chaque âme, dans chaque personne, tout homme, toute femme, tout garçon, toute fille, exaucement à leur prière au nom de Jésus. Je prie la purification, le pardon, le salut soit permanent. La sanctification, la sainteté, la pureté seront réelles. La guérison et la santé parfaite sera définie dans chaque vie au nom de Jésus. Délivrance, liberté. De toute puissance, des mauvais esprits garantis pour ton peuple au nom de Jésus. Domination, domination, victoire, jour et nuit, matin et soir, dans la semaine et le dimanche, domination dans chaque vie au nom de Jésus. Ce que tu craignais avant aura peur de toi. Tous tes besoins sont pourvus. Le secours que Dieu a promis, la compagnie que Dieu a promise, l'intrépidité et le courage que Dieu a promis sont sur toi pas de maintenant au nom de Jésus. À l'église, tu es béni. À la maison, tu es béni. En route, tu seras béni. Dans ta profession, tu es béni. Et toute chose négative de ta vie est révoquée au nom de Jésus. Tout dragon, tombe devant toi. Joie, bonheur, bonté, accomplissement, abondance, le calme,
la paix, la sécurité vont t'accompagner partout où tu iras. Et les miracles, les prodiges que Dieu a accomplis dans ta vie, tu vas en jouir. Tu donneras de témoignages. Et je prie que rien ne puisse ôter ta joie. Seigneur, confirme-le dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions.